Félicitations pour cette victoire, du coup. On est sur une victoire collective. On est sur quel type de victoire, là? On est sur une victoire d'équipe qui était attendue depuis 17 ans. Et c'est vrai qu'on avait, on savait qu'on était l'une des équipes favorites. Il y a un plan qui a été mis en place hier soir par la direction sportive qui a été parfaitement respecté. On savait que Paul était un garçon qui allait être parmi les favoris. C'est certainement le coureur le plus local, 5 km, mais il a assuré. Mais il y a aussi un gros gros travail collectif de l'ensemble de l'équipe, de Benoît Costefroy, de Pierre Gautra, d'Aurélien Paré-Peintre. Pardon. Et donc c'est vraiment une victoire collective, mais qui vient récompenser un jeune homme qui est vraiment en progression importante, qui a démontré cette année qu'il était capable de jouer dans la cour des grands au niveau mondial. Donc on ne sait pas où sa progression va s'arrêter, mais c'est un palier important pour sa carrière, comme c'est un moment important pour l'équipe. Et ben on lui souhaite le meilleur, et à l'équipe aussi. Ben on est très heureux de ce moment, on l'apprécie. Merci. Merci.